finale. Derrière Valentour qui nous ont fait une finale d'enfer. La chute de Corentin qui est en seconde position. Et la victoire Morgane Doucet pour la seconde position. Parce que c'est dans cette même série des Benjamin, c'est la race numéro 6 sous les ordres du starter avec Alex Montalis pour le BMX 28. On a le Tanguy Deschamps, plaque numéro 64 que vous voyez, c'est Giraudon, Léonard Giraudon, BMX 28 qui a pris la pole position devant la demoiselle de la catégorie Marion Delroise. Marion Delroise qui, je vous rappelle, a fait une 6e place à l'Indor de Caen au final des Benjamins. Elle est actuellement en seconde position derrière Monsieur Giraudon, alors que la plaque numéro 91, qui se fera aller de Jean Leroy, est en troisième position, un petit peu avec dans sa roue le jeune Tanguy. Bon, c'est Tanguy Deschamps qui va peut-être l'emporter sur la ligne d'arrivée. Alors ça c'est... Allez, on reste encore avec les Benjamins, c'est la race numéro 7. On a 4 pilotes sur la piste. J'en ai demandé aujourd'hui. On est sur les héros, je pense que c'est lui. S'il est là, c'est lui qui a pris la pole position. Il n'est pas là, Loris. Alors, Mathieu Biard, on a Théo Coquin inscrit. Et qu'est-ce qu'il nous reste sur la piste? La plaque numéro 85, c'est Kenny Marshall pour Chartres. Kevin Marchassour qui est en pole position, qui a passé la ligne sans difficulté devant Mathieu Biard de Nogent-le-Roi. Allez, donc on ne va pas parler du numéro 44 puisqu'il est absent, mais c'est lui Masson, c'est la plaque numéro 34. Il va sortir pour le club de Luison devant le BC28 bassiste Barbier. Ouvrier avec le maillot du BMX Club 28. Rouge vêtu, Baptiste Barbier, Louis Masson toujours en tête. Mathieu Chevet qui essaie d'accrocher le duo de tête. Et pas de problème pour Victor, devant Baptiste. Mathieu pour la troisième position. Voilà. Merci. Allez, ça y est, on a remplacé Jean-Claude et qui n'est plus tout extrait sans voir, ça se comprend. Allez, on se retrouve avec la catégorie du Benjamin. On a mal à la Luzantaise, Marion Deloise en seconde position. Avec le pilote du BC 28 sur sa terre, qui va s'imposer dans cette seconde manche. Un pilote Nogentin, troisième. Soit. On est toujours avec un chacun, avec un agent qui est souvent en position. Ça doit peut-être monsieur Kenny Marshall, si je me trompe. Ouais, c'est bien lui, Kenny. Avec la plaque 24 en seconde position, Mathieu Biard pour le club de Nogent. Ça va se faire dans cet ordre. Un agent en troisième position. On a 10 longueurs d'avance déjà pour les deux premiers, Kini, devant le Levanté, et Louis Bineau pour le club de Nogent. On est encore parti, il avait touché à la catégorie de Benjamin. Allez, Baptiste. On reconnaît Louis Masson en tête, avec le pilote du BC28. Ce doit être M. Barbier, si je me trompe.
c'est bien ça. Allez, oui. Baptiste Barbier. Sylvie de Demeujanté. Qui s'accroche. Voilà, c'est fait pour lui. Baptiste Barbier. Nous avons Mathieu Chenet en troisième position. Et Guillaume Rotsky en position. Allez, Van avec 5 longueurs d'avance. Les événements, la plaque 14 donc, le Chartrain et la plaque 97. Théo Jarry pour le club de Chartres. Allez, toujours la catégorie de Van avec les pilotes du coup, les pouvoirs qui sont en tête. Avec Marion Deloise, la pilote usantaise et demoiselle, la catégorie en seconde position. Il lui fait des super bonnes marches pour l'instant. Allez, avec la plaque de 61. Léonard Girondeau, bien entendu. Léonard, Marion, un pilote pour nous, je peux chanter en troisième position. Juste Marion dans le dernier virage. Allez, Marion. Allez, Léonard en tête, c'est ce qui a profité. C'est Christopher Allais pour le club de Nogent-la-Roye en seconde position. Toujours. On a 4 pilotes sur la piste avec un pilote Chartrain, ça doit être monsieur Kenny Marshall. C'est bien lui. Kenny Marshall en tête. Largement. Avec la plaque 24B, Mathieu Viard pour le club de Nogent-la-Roye en seconde position. La plaque numéro 56 en troisième, Julien Fligeau, toujours pour Nogent-la-Roye. Et la plaque numéro 38 pour Lélie Brunon du club de Nogent-la-Roye, Monsieur Masson. Allez Baptiste. Et c'est deux premières manches, Louis Masson. Il va mettre un point d'honneur à remporter cette troisième. On se bagarre à plus à l'arrière entre le Nogenté. Le pilote du WC28, la plaque numéro 7. Allez, 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 on va jusqu'au bout. Allez, Baptiste, ouais, c'est bien. Mathieu Chauvet. Baptiste Barbier en seconde position, Mathieu Chauvet en 3. Et enfin, nous avons Guillaume Kotski pour accéder à la grande finale. Donc là, on va commencer à rouler à bloc, plus de 4 jours. Il faut absolument se qualifier pour cette finale. Jamais. Théo Jarry deux fois. Théo Jarry trois fois. Apparemment, je suppose qu'il faut le juger. Allez, on y va. C'est parti sur les arts du starter. On va surveiller le pouvoir 1 et 2. Le pouvoir 2 avec Louis Masson. Oui, c'est bien lui. Louis Masson, avec un pilote de Nogenté, qui va essayer de prendre la place. Louis Masson, qui commence à se détacher, dans trois longueurs d'avance. Et même nouveau la bagarre, derrière, qui va essayer de revenir. Ça se présente bien pour lui. Avec Mathieu Chenet, en seconde position. Ça paraît clair dans cette demi-finale, attention quand même au retour du... Allez, allez, vas-y, vas-y. Mathieu, Mathieu Chenet. Mathieu Villard. Et au demi-finale, pardon. C'est le pilote sur les arts du starter. Avec la demoiselle de Cézanne. C'est parti, monsieur Tony Marshall, pour le club de Chartres. Ça se passe à l'intérieur. Allez, toi. Ce doit être M. Girondeau, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, Kenny Marshall, le pilote Chartrain en seconde. Un autre pilote du WC28 en troisième position avec M. Baptiste Barbier. Marion Delroze qui tient le bon bout pour l'instant à la dernière place. Allez, Kenny. Allez, Loulou, c'est bien, vas-y. Ça va être avec les deux pilotes du WC28, Kenny Marshall. Un petit succès sur la quatrième place, Marion Delroze qui va remporter cette quatrième place et se qualifie brillamment pour la grande finale du Benjamin. Voilà, c'en est fini des demi-finales. On va laisser tout le monde se reposer
une quart d'heure syndicale, comme on appelle ça, un quart d'heure de pause, et on se donne rendez-vous dans un quart d'heure pour assister au final de toutes nos catégories. Jusqu'au bout clairant. Ah, ici les hommes starter. Parti! Avec le pilote présenté, Evan Allo, qui a tiré le premier dans cette pilote de nos joueurs, qui a déjà pris de longueur d'avance. On fait l'effort dans la deuxième ligne droite avec le pilote du Bicross Club 28. Tanguy Deschamps, pardon. Toujours le Nofantil devant. Avec Guillaume Roski. En seconde position, un pilote du BC28. Emmanuel Roux, le présenté en troisième position. Donc dans cette finale B de la catégorie des Benjamins, le Nofantil qui a franchi la ligne en tête. Le BC28 qui est présenté en troisième position. Voilà les pilotes qui font l'effort jusqu'à la ligne d'arrivée. Allez, on va faire ce club de Luisant. Oui, merci. Pour le club du BMX Club 28, Léonard Giraudon. Pour nos joueurs, Mathieu Chauvet. Pour le BMX Club 28, Baptiste Barbier. Pour le club de nos joueurs, Mathieu Bia. Pour Chartres, Kenny Marshall. Pour nos joueurs, Christopher Allé. Et finalement, pour le club de Luisant, Marion Delroy. Ah, les supporters de Luisanté se sont réveillés. Il était temps. Allez, les pilotes sur les ordres du starter. On va surveiller l'intérieur de la piste. C'est parti là pour une position à l'intérieur. L'animation qui a tiré premier. Le pilote plus en terre. Allez, Léonard! Devant le pilote Chartrain, Kenny Marshall. Les deux pilotes du BMX Club 28 nous appuient. C'est le virage pour le pilote du BMX Club 28. Devant, ça change pas. Toujours lui, Vincent en tête. Devant Kenny Marshall qui va pouvoir imposer fort à l'intérieur de la piste. Oh, Kenny! Allez, Léonard! Je trouve que lui, Vincent en tête. Devant le pilote du BMX Club 28, le regard est déclenché. Les deux pilotes du BMX Club 28 font deux et trois. Victoire donc de Louis Vincent, le pilote présenté dans cette catégorie des Benjamins. La finale B dans la catégorie des minimes avec Damien Chevauchot pour Luisant, Benjamin Sanchez pour le BC28, Baptiste Cabernet pour nous jouer leur main, et maintenant. C'est une dérangée à l'exemple. Oui, il fait la porte. Est-ce que ça va aller sur le vélo? Deuxième marche du podium au BMX 26, et on retient derrière le Léonard Giraudon. Oui, vous l'avez là. Baptiste Barbier. Mais est-ce que ça va sur le vélo? Mais oui. Pour l'autre vélo, Benjamin, 4ème place, c'est 6